Oh, bonjour à tous, ici Sky Galaxia, j'espère que vous allez de bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Écarlate et Violette. On fait le DLC. Il fallait qu'on aille voir le dernier Adorami. Yeah. Ok, du coup, on suit. Alors, la dernière fois, on avait récupéré 2 masques sur 3. Et là, on va pas faire ça. On va directement y aller. Hop. Ok. Voilà, il est là. Ah, voilà ce qui aime voler, et pas seulement dans les airs, ça doit être Favianos. Mais d'où ils sont tous devenus massifs comme ça? C'est nous qui allons lui voler dans les plumes. Allez hop. Ok. Alors, ouais. Il est beau pour un méchant, c'est fou. Il me ressemble un peu d'ailleurs. Ok. Caminerie. Rapide. Allez. Ça fait rien. Coup critique. C'est bien, c'est ta punition pour avoir malmené Argapon. Et moi aussi, je peux en faire des dégâts. Et encore plus que toi. Rien. Allez, éviter. Pompon. Rien. Avec KO. Je crois qu'il va être KO. Mais pourquoi toujours empoisonné? Ils sont tous les trois de ce poison.
Allez, l'attaque spéciale monte. Ah bah c'est pas. Allez. Ah, presque. C'est bon. On a une force de frappe monstrueuse quand on s'y met à deux. Enfin voilà le dernier masque. Bon, bon. Ça y est, Argapon, Caroline, on a tous réparé le masque. Vas-y, faut nous récupérer. Bon, bon, bon. C'est vraiment merveilleux, je suis trop contente pour Argapon. Allez, on oseille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un service à vous demander. Vous pouvez venir au village avec le monstre. Mais les villageois. Faites-moi confiance, je sais que ça ira. On se trouve là-bas. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée. Les gens du village voient encore Ugapa comme le méchant de l'histoire. Bon. Mekas avait l'air très sûr de lui. Alors faisons-lui confiance et allons au village. Et si jamais ça tournait au vinaigre, j'utiliserai mon chemin infini pour le calmer. Le jeu. Calmer le jeu. Vous avez vu, c'est des Noirfang. Au lieu de... Corvaillus. Oh, bon. C'est bien ce que je craignais. Il a pas du tout envie d'y aller. Tout va bien se passer. C'est quoi le plan, au juste? Oh, grand-mange. Je sais que vous devez avoir peur, mais je vous assure, ça vaut le coup. J'ai vraiment tout donné, alors faites-moi confiance et venez, d'accord? C'est lui, oh, répond. Ça vraiment, ça existe vraiment. Ne t'inquiète pas. Le monde est monstrueux. Vous devriez dire le grand Orgapon. Pendant trop longtemps, nous avons considéré qu'un être malfaisant. Tout cet entrée à vous présente ses excuses. Au bon, pas il se passe quoi là? C'est quoi ce remerciement? C'est Cassis, il a fait le tour du village pour raconter la vraie version de l'histoire. Je lui disais que personne ne le croyait et qu'il avait mieux gardé le silence. Pardon, oh grand monstre. Orgapon est trop chou. Eh bien, il faut croire que je m'étais trompée. Cass a vraiment géré lui, qui a l'air à aligner deux mots d'habitude.
Maintenant, plus besoin de cacher ton visage. Et tu peux revenir au village quand tu veux. Au grand Orkipan, vous êtes le propriétaire légitime des masques que nous conservions au Septentrion. Et en tant que tel, et puisque vous avez tant lutté pour les arracher du groupe des amis, d'Adorami, ils vous reviendront de droit. On a réussi à récupérer tous les masques volés et à dissiper ce vieux malentendu. Tout est bien qui finit bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ramener Orkipan chez lui. Ah, c'est parti pour le ramener chez eux. Allez, viens, Rivan. Oh, ça lag par contre. Tout aux pommes. Ah non, mais tourmi. Allez, on est capable. Je pense pas ce qu'il faudrait, mais c'est pas grave. Vous y voilà. Pas hein. Je trouve ça un peu triste comme endroit, mais j'imagine que Bobpan doit être attaché. Prends soin de toi. Hein? Bon. Je suis pas voyante, mais j'ai l'impression que Bobpan a envie de venir avec toi. Et une seconde. Moi aussi, je vais être avec le monstre. Je veux dire avec Orgabon. Qu'est-ce? Je sais que c'est super guess, mais Caroline, je veux qu'on fasse un combat pour décider qui nous deux capturera Orgabon. Qu'est-ce? Écoute. Je sais mieux que personne à quel point t'aimes Orgabon, je te comprends maintenant pourquoi. Mais tu dois respecter sa volonté, Cass. Bon. Je vais quand même me battre. Dis-moi quand t'es prête. Le petit dernier combat, là. Allez. Petit combat. T'es prête? Ouais. Allez. Allez, je vais te parler. C'est comme à un moment donné, il y avait eu Ondine et Sacha, ils se sont battus pour avoir Canimus. Parce que les deux avaient lancé la balle. Et du coup, ils ont décidé faire un combat pour savoir qui garderait Canimus. Je sais que t'es bien placé pour moi d'occuper, mais... Bluff.
Si on a de sa part, t'écoutes, tant mieux, moi aussi, je vais tout donner. Il va tout donner. C'est une force. C'est bien comme ça, on va pouvoir savoir c'est quoi l'autre Pokémon. Scorvol. Et non, Scorplane. Danse aquatique. Bon Pokémon hein, quand même. Non. Je change pas. La chance n'est pas de mon côté, mais je cherche rien. Allez. Changer. Non, en vrai, ça fait quoi si on part? Je crois qu'on vient jouer 60 Pokémon, il faut refaire le combat. Hein. Tartar. Et le dernier. J'ai pas encore perdu, je refuse de perdre. Choc. Ah oui, je suis pas fait. Je crois
J'en étais sûre. Je savais, c'était perdu d'avance. Mais je devais essayer quand même. Désolé. Casse. Bon. Vas-y, attrape un guépin, Caroline. C'est ce qu'il souhaite. Ok, on va s'arrêter ici. Ça fait un peu plus que 20 minutes. J'espère que vous allez tout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, mettez un like, commentez, partagez, vous abonnez. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite et la fin, je crois, de Pokémon Violet Écarlate, le DLC volume 1. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite.